Amicia, Amicia, tu vas pas le croire. Roderick a battu Arthur à la fronde. Mais n'importe quoi, il était devant la ligne. T'es juste mauvais. Oh, qu'est-ce que vous avez encore? Bah oui, si vous respectez pas les règles, forcément. Oh, les règles! Hugo? C'est toi qui dis ça. J'arrête pas de lui dire. Vous avez vu, Hugo? Oh non. Il est parti. Ah oui, c'est carrément au film, quoi. Ok, on se retrouve tout seul. Allons-y. Ah, ma tête. Ah, doucement. Ne t'arrête pas. Continue. Hugo! Ok, là, il faudrait absolument retrouver Hugo. Je sais pas où il est. Où est-ce qu'il a pu aller? Réfléchis, Amicia. Est-ce qu'on a encore des munitions, réfléchis, d'ailleurs? Oh, on a plus grand-chose dans l'inventaire, dis donc. Doris, on va en reprendre un peu. Ouais, je sais pas, là ça doit aller. On va peut-être reprendre des pierres au cas où. Enfin, ça va, il m'en reste 4. Oh, il nous manque vraiment plein de choses en. Un village? Ici? Oh, est-ce que c'est réel tout ça maintenant? Hé! Hey, attendez! Quelqu'un a vu un enfant passer par ici? S'il vous plaît! Oh, Amicia, ça va mieux? Le petit va bien? Clairvie? C'est vous? Vous avez vu Hugo? Tu lui as encore crié dessus? Non! Non, pas du tout! Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on se disputait plus! Amicia, un enfant ne s'enfuit jamais sans raison. Ouvrez-moi! Je vais le retrouver! Bien, mais sois prudente. J'ai pas l'impression que tout ça soit réel. Un mauvais vent arrive, Amicia. Qu'est-ce qui se passe? Amicia, je t'attendais. Viens avec moi. Laurentius, c'est vraiment vous? Où est Hugo? Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit réel du tout. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant, j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi? Je sais pas, J'ai tout fait pour le protéger. Même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimer, protéger. Je vais le retrouver. Alors va. Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman, j'ai entendu du bruit dehors. Hugo, c'est lui. Mère? Amicia, viens ici. Oui, mère. Ton frère est là. Il va bien? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions, Amicia, je t'avais prévenu. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Hugo, tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es partie? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était en vie? Hugo, c'était pour ton bien. C'est pas vrai! Tu voulais pas que je le sache! Ne dis pas ça! T'es jalouse! Jalouse! Laisse-moi! Oh non! Oh. Hugo! Où es-tu? Bon, est-ce que c'est réel maintenant? S'il vous plaît. Je parle pas beaucoup. C'est lui. Je suis vraiment dans l'histoire. Je suis vraiment. Hugo, fou, hein. On peut partir. Il est là. Merci. Arrête de gueuler. Elle est où ta sœur, hein? Je sais pas. C'est vrai.
Ça ferait une jolie prime en plus. C'est ça, rien. C'était vous. Y'a plein. Je suis là. Tout va bien, Hugo. C'est fini. Est-ce que ça va? Ils t'ont pas fait mal? Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça? J'ai rêvé de maman. Elle m'a appelée. Tu as dû faire un cauchemar, c'est tout. J'ai vraiment cru que c'était elle. Oh, finalement, ça va. Elle avait mal. Peut-être pas si loin que ça. Elle ne souffre plus, là où on peut voir quand t'as un cheval, là. On en a déjà ça parlé. Chouette. Mais... elle est partie, Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. On sait même pas où on est. Enfin, quoique c'est peut-être le château là en face. Bon, ça va finalement, plus de peur que de mal au final. Bon après, tout peut encore arriver. Hein. Maman ? Amicia, c'est maman ! Quoi ? Ça vient de là-bas ! Faut y aller ! Non, tu n'y vas pas ! Mais pourquoi ? Lâche-moi ! Alors là, je comprends plus rien, hein, vraiment. J'arrive, maman ! Oh non, reviens ! C'est pas vrai. Allez, hey, on change d'ambiance. Arrête, c'est pas elle. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis obligé d'aller là, non? Si, attendez. Je suis obligé de descendre dans le trou comme ça? Oh, non, sérieux? Non, non, j'ai besoin de toi, Hugo. C'est pas maman, Hugo. Maman, je te vois pas. Non. Il y a des mains qui sortent des murs, c'est dégueulasse. Il y a des cadavres partout. Laissez-moi. Elle est complètement dans une folie en fait là. C'est quoi ce délire? Ah la vache, en plus elle est froide. Quand elle est carrément dans une folie psychotique. Enfin... ok. Chapitre 14. Les liens du sang. Alors, si j'ai pas de bêtises, normalement c'est le dernier chapitre. À moins qu'il y en ait un 15e, peut-être. Je sais pas. Je dis peut-être des conneries, donc j'ai pas trop avancé là-dessus. On va continuer. Hein. C'est fini. Je peux aller la voir maintenant? C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que... Ce que je dis n'a pas d'importance. Seul compte la parole du grand inquisiteur. What the fuck, là, je suis un peu perturbé. Mais ne t'inquiète là, pas, tu comptes vraiment beaucoup pour lui. Donc il s'est enfui, il a été quand même capturé. Et là, on va jouer Hugo, c'est ça? Ok, on joue Hugo, pourquoi pas. Il m'a fait mal. Je dois trouver maman. Ça devient un peu particulier. Hein. Ok, allez, on continue. Putain, la discrétion, qu'on l'entend même pas marcher. Hein. 4 nuits d'affilée que je suis de corvée depuis son Louis. Quand est-ce que ça va s'arrêter, hein? Il y a déjà l'heure de la conjuration approche. Mais pense à Vitalis. Ton calvaire n'est rien à côté du sien. Hein? Non, 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 t'as rien vu. J'ai même pas vu en plus que t'étais là. Étrange. Hugo n'a pas d'arme, s'il se fait repérer, l'alarme sera donnée. C'est vrai qu'il est, donc j'ai pas d'arme.
Vite. Ok. Oh, c'est tellement grand. Où est maman ? Matière des matières, or unique. En te brisant, je t'ouvre la voie vers le sang de l'élu. Alors, on va peut-être faire attention et d'essayer de le suivre discrètement. J'allais faire une bêtise. C'est quoi ça? C'est de la merde? Alors, je sais pas ce que c'est. C'est un peu bizarre. Okay. On va essayer de passer par là. Alors, on peut passer par ici. Quelqu'un vient. Mélicus, que donne le raffinage? Excellente qualité. Mais la masse des pissenlits pourrait se diminuer. Nos récolteurs se font décimer par les rats. Faites au mieux. La vie du grand inquisiteur dépend de la qualité du distillat. Ok, on va faire une petite pause et je reviens juste après. Ok. Donc, toujours au chapitre 14, et l'objectif c'est de trouver Béatrice, visiblement. Elle serait peut-être encore en vie, finalement. Ça reste à voir. Je sais pas par où je vais, mais... Il y a des trucs qui dégoulinent un peu partout. C'est un peu crade. Oh, on est carrément derrière le... Reste bien toi, tu es là, parce que... Le corps du grand inquisiteur est dépassé par la morsure. Je crains qu'elle ne s'attaque désormais à son esprit. Ne vous inquiétez pas, le sang du garçon... Passer, on peut passer, tranquille. Que son âme sort indemne. Attention. Pop. Ça, c'est un coup à se faire repérer bêtement. Non, tout va bien, ok. En bas. Le distillat s'épaissit. Il va bientôt falloir changer les filtres et racler les cuves. Pimbal, nous avons presque atteint l'objectif. J'espère. Parce qu'on ne pourra pas... Mais... Non, tu m'as pas vu. Si. En plus, j'ai eu peur tout d'un coup. J'avais vu qu'il y avait le type qui était retourné, j'avais pas vu qu'il y avait lui là sur le côté. Il va bientôt falloir changer les filtres et racler les cuves. Donc ma mieux peut sonner l'alarme. Oh merde. En bas. Le distillat s'épaissit. Il va bientôt falloir changer les filtres et racler les cuves. Attention aux bouteilles de vin. Y'a pas un truc à récupérer là-dedans, hein, histoire de faire diversion quelque part. Pimbal, nous avons presque atteint l'objectif. J'espère, parce qu'on ne pourra pas faire plus. C'est déjà un miracle que le corps de Vitalis accepte de telles quantités d'épicentouis. Sa foi le protège. Elle nous protège tous. Alors, on va se poser là quelques petits instants, là. On va voir un peu ce que eux font. En tout cas, celui du fond, là-bas. Donc lui il revient. Comment est-ce que je peux faire du coup pour passer? S'il n'y a pas un objet pour faire diversion, et ça c'est un peu dommage. Ok, finalement ça va. Allez, on travaille. J'ai pas donné les noms de ceux qui trouveront en ville pendant la conjuration. Hein? Ouais. Je suis affecté au parvis de la cathédrale. Ah, ça veut dire que tu seras plus près du grand inquisiteur quand il nous libérera, alors que moi je serai coincé ici. On se retrouvera tous après. La fin de la morsure, ça va être une sacrée fête. Okay, allez, allez, courage. Un peu flippant tout ça, qu'il faut que je remonte par ici. Il y a un autre type là-bas. Allez, barre-toi.
peut-être passer dans l'escalier, on s'en va. Bravo, personne t'a vu, comme Mélie. Ok, donc là par contre il y a un garde. La fumée, elle peut me cacher. Tant de vapeur des pissenlits. Ah, bien vu. Finir aveugle, c'est sûr. Ok, on va attendre du coup. Ok, donc lui il ne voit pas, il faut faire là. Allez, vas-y, vas-y, go, 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 go. Ok. Alors, je sais pas si je peux passer derrière lui. C'est quoi ça? Attends voir. Non, 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 non. Vite, 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 vite. Sérieux? Il est sérieux dans... Et je recommence où? Ah, je recommence là, ok, ça va. La fumée, elle peut me cacher. Ça va être intérêt de dépêcher mon pote parce que je sais même pas où je peux. Ouf, ok. Ok, ça va bien. Donc, faut vraiment y aller discrètement. À mon avis, j'ai dû toucher son épée, peut-être. Ouais, non, là, je peux passer, mais faut attendre. Ouais, à mon avis, je suis passé trop près de lui. Allez, vite. Yes. Ça va, il me suit pas. Ok, tout va bien. Bon, là, on a un cadenas. Le grand inquisiteur est très occupé. Occupé ? Je suis l'archevêque ! Je représente le pape ! Excellence, la mission du grand inquisiteur est sacrée. Alors, je mettrai bien la scène là. Je pense qu'il n'y a pas grand chose d'intéressante. Du moins, pas tout de suite. On va essayer de. On va essayer de casser de là. Vous le suivez sur ces trous d'infernal ! Oh, mais. Il m'a fait flipper. Ok, courage Hugo, toi. Tu es où? Bon, apparemment ça a pas trop l'air de faire effet son... son élixir là. Oh non, il doit pas me voir. La question c'est de savoir où on peut passer. Ah, ok, j'ai repéré le truc. Ça passe, ça passe, ça passe. Magister, le texte mentionne bien l'ascension d'un enfant lors de la grande peste de Justinien. Je le savais. La noblesse romaine l'avait isolé du peuple et lui vouait un culte secret. Ah, peut-être un ancêtre d'Hugo de Rune. Continuez. Il parle de moi. Je m'attendais pas à ce qu'il dégage comme ça. Je me suis dit, bon, autant passer derrière lui. Discrètement, du moins essayer. Et je pensais pas qu'il allait se barrer. En libérant le pays de la morsure, le grand inquisiteur gagnera la ferveur du peuple et un pouvoir politique sans précédent. La prima macula, la présence de l'archevêque c'est... Mais non. Si. Bon, faut que j'aille voir. Tant mieux. Okay. Il n'avait qu'à agir quand il le pouvait. L'endroit est vide. Allons. Mais oui, c'est vide, ok. Alors, je vais prendre le risque de passer, parce que l'autre vient déjà. Oh, on peut se cacher, là. Allez, barre-toi. Yes. Parfait. Et on doit aller par là, c'est ça? Ok. Les textes de recherche de Béatrice de Rune sont totalement cryptés. J'abandonne. J'ai une bonne nouvelle. Ils l'ont enfin déplacée au sous-sol. Alors, elle va céder. Donc elle est toujours c'est en vie, en fait, au final. Ok. Ouais. Tu peux te barrer, s'il te plaît? Alors, on a le choix, peut-être. Peut-être pas, j'en sais rien. Soit aller par là, soit aller par ici, à mon avis. Je pense que c'est peine perdue.
Purée, non, 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 non. Ouh, ok. On peut aller par là directement. Ok, cool. Tu vois, Amicia, j'ai retrouvé maman. Là, techniquement, tu l'as pas encore retrouvée. Et rien n'est joué, donc... Et tu, en plus, tu es fou de te balader tout seul. Et du coup, tu t'es fait attraper par les alchimistes. C'est pas cool. Elle est au sous-sol, ils ont dit... Je dois continuer à descendre. Ça devient un peu long, hein, mine de rien. Ah, et du coup, on est là. On était là au-dessus tout à l'heure. Juste là. Là-haut. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir des gens. Est-ce qu'on peut passer? Non, par là, c'est bloqué. Ok, si je vois quelqu'un là-bas. Donc on va continuer à se déplacer discrètement. On n'a pas vraiment le choix. C'est trop grand ici. Okay. Grand Inquisiteur, l'archevêque est arrivé. Parfait. Faites-le entrer. Vitalis. Monseigneur Gautier, avez-vous fait bon voyage? Épargnez-moi les politesses. Votre petit jeu n'amuse plus, Vitalis. Un jeu, monseigneur? Croyez-vous qu'un jeu puisse changer l'avenir du monde? Mais écoutez-vous. Vous avez complètement perdu la raison. Tout ceci... Permettez. C'est important. Nous l'avons, le sang du goût de rune. L'avez-vous testé? Oui. Hélas, monseigneur. Le garçon aurait déjà dû franchir le premier seuil, mais... quelque chose dans son sang a freiné le processus. La macula est toujours dans son état premier. Peu importe. Si les textes sont exacts, son sang et le mien vont être liés. Lorsque l'enfant passera le prochain seuil, je le passerai avec lui. Allez-y. Vous voit comme une menace. Vitalis Benevo, vous êtes excommunié. On peut excommunier un homme, monseigneur. Mais pas mon sang. C'est la fin de votre inquisition. C'est donc le début d'une nouvelle ère. Mais, pantins comme vous me supplieront à genoux de les sauver. Il est avec nous. Fort bien. Allez voir si Béatrice de Rune a repris connaissance. Il fait peur, mais je dois le suivre. Pourquoi s'acharne-t-elle à résister? Nous avons le même but. Nous combattons le fléau. Seules nos méthodes diffèrent. Sa fille fait la même erreur. Ah ouais, du coup on fait comment? Repos. Ad ignem. Ad lucem. Avez-vous vu le grand inquisiteur? Oui.
Le sang du porteur coule dans ses veines. La conjuration aura lieu. Splendide. C'est bientôt la fin du fléau. Exact. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Quoi ? Ça a bougé par là, je suis pas fou. Oh putain. Je m'en doutais. Il est un petit peu trop rapide. C'est pas grave. On va voir un peu ce qui va se caser, les gars. Hey ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, ils vont tous mourir. Putain. Je suis censé faire comment maintenant ? C'est parce que l'autre il regarde en même temps. J'ai peur que l'autre il a une trop. Ça là-bas, c'était quoi? Mais non, je fais comment moi? Qui a peut-être moyen de passer en fait au final? C'était rien. Allez, barre-toi, s'il te plaît. Non, tu vas pas te remettre là. Ok. C'est bon. Enfin, j'espère, en tout cas. Du coup, ouais, j'ai perdu l'autre de vue, là. Où est-ce que tu es, Nicolas? Putain, gauche ou droite. Je sais pas s'il y a une porte là-bas en fait. Ok, c'est bloqué. Purée. Peut-être par là, à mon avis. Là, j'ai perdu l'autre de vue, ça m'embête. Ah. Un jardin, le ciel. On peut voir le ciel. C'est bien, Nicolas. Félicitations pour la capture du petit. Oh, il est là. Oh, bien. Des semaines que nous le traquons. Miracle. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Il ne va pas le garder longtemps. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire? La question, c'est de savoir par où est-ce qu'il va passer. C'est quoi? Mais non, putain. Ils viennent tous du côté où je vais être. À mon avis, je peux peut-être passer au final. Le ciel. On peut voir le ciel. Seigneur Nicolas, félicitations. On va faire autrement. Semaines que nous traquons. Et il arrive ici en demandant à voir sa mère. Allez comprendre. Je sais pas si on peut passer direct. Yes. Il ne va pas le garder longtemps. Ça va tout bien. D'ailleurs, je dois voir sa mère. Et non, on va passer par là. Okay. Donc on va laisser passer, on va voir ce qu'il va. Putain, il y a beaucoup de. De garde. En plus, je reste bien en plein milieu. Compliqué, hein. Chemin, vite! Capitaine! Chut. Oh, mais...